مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح نشوفوا فيه زيارة ماكرون الأخيرة للمغرب، يعني القنوات الفرنسية كيفاش قلبوها تحريشة، قاعدين يحرشوا بهم ويتمسخروا بهم ويزعقوا بهم. قبل ما نشوفوا هذا الفيديو نتمنى من أي واحد مش مشترك في القناة يشترك ودرنا لايك، باسكو فيديوهات كيما هذو دائما يديروا الناس سينيال عليهم لأنهم يعجبهمش الحال. C'est l'heure du premier bilan pour la visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Visite dont l'objectif a été de réaffirmer l'amitié franco-marocaine, de cicatriser les plaies du colonialisme et puis bien sûr de partager nos deux cultures. Pour ça, le président a été accompagné de personnalités médiatiques, parmi lesquelles ces deux personnes, le comte Olaf des orphelins Baudelaire et sa femme. Et puis, bien sûr, dans l'entourage du président, des ministres. 9 au total, dont Rachida Dati, qui s'est rendue là-bas avec son avion privé qu'on voit ici. Alors, depuis le début de cette visite lundi, eh bien, il y a eu plusieurs temps forts. Le roi Mohamed VI a notamment offert à Emmanuel Macron une koumiya, un poignard marocain qui mesure 25 cm, enfin 6 cm si le poignard se baigne dans la manche. Mais surtout, il y a eu la rencontre de notre ministre de l'Intérieur avec son homologue marocain. Pour parler immigration entre les deux pays, on peut voir les deux hommes sur cette photo. À droite, le ministre marocain qui demande plus de visas accordés. Et puis à gauche, Bruno Retailleau qui demande pour votre golden menu, plutôt frites ou potatoes. Lors de cette conférence, le ministre de l'Intérieur a demandé à ce que le Royaume fasse un effort sur le dossier des OQTF. En échange, la France s'engage à ce que le Crous arrête d'appeler ce plat un tagine. C'est le Crous.